Good morning, les Yidden, les tutors aujourd'hui, les Lunishmat, à moi, bien, ben, Hanna, Begi, Batester, Zabat, Mazartov, Chipotu, Simon, Batroni, Michel Noviko, aussi les Refouat, Ruth, Batkloutin, Traina, Vesimcha, Bat Masoudi, Betor, Chakro, Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude, les Lunishmat, à contacter 5 minutes éternelles, nous étudions Shvuot, Perigimel, Mishnah, Yudalef. Shvuat, Shav, Noheget, Ba'anashim, Uvanashim, Barechokim, Ubakerovim, Bakcherim, Ubasulin, Bifne Bedin, Shalom, Bifne Bedin, Mipi, Atzmo, Umipi, Atzmo. וחייבים על זונה מכות ועל שגיגתה פטורים. אחת זו ואחת זו, המושבע מפי אחרים חייב, כיצד? אמר, לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום, משביעני ואמר, אמן, חייב. Vous devez être étonné, vous avez déjà sûrement entendu déjà cette Mishnah, c'est vrai, c'est une copie de la Mishnah précédente, sauf que dans la Mishnah précédente, on parlait de Shvuat Bitui, et à présent on va parler de Shvuat Shav, avec le même principe, on veut remplir les cases et définir qui sont les personnes concernées. En théorie, je pourrais déjà éteindre la caméra et partir dormir, et vous laissez faire la Mishnah tout seul, vous reprenez vraiment le cours de la Mishnah précédente, c'est exactement la même chose, avec le petit détail de la fin en plus qu'on avait expliqué de toute façon dans le Martin Noir, mais comme je sais bien que vous aimez mes cours particulièrement, donc je vais le faire à votre place, et on va étudier et traduire la Mishnah ensemble. Shvuat Shav, Noheget Ba'anashim ou Vanashim. La Shvuat Shav, celui qui jure en vain, ouais, celui qui jure en vain, celui qui va parler, qui va vouloir attester une chose qui est une évidence, ou même contredire une chose qui est une évidence, ou jurer pour annuler une mitzvah. Noheget Ba'anashim ou Vanashim. Elle incombe aux hommes comme aux femmes, Barechokim ou Bakrovim, qu'il s'agisse d'un proche parent, d'une personne loin, soit je jure que. Cet enfant là c'est un garçon alors qu'il a une tête de fille avec des coucous et il est en jupe, on voit bien que c'est une fille, même si c'est un proche parent, si c'est une personne loin, je transgressais l'interdit de Shvuat Shav, d'accord, évidence. Bakcherim ou Babsoulin, qu'il s'agisse de que je suis une personne kasher la edout ou basoul la edout, c'est que pour regarder le parallèle avec la prochaine Mishnah qu'on va prendre dans le Perek Dalet de Shvuat Haedout. Bifne Beddin mais shalom Bifne Beddin ou Mipi Atzmo, même principe, que je jure devant le Beth Din, ou même à l'extérieur du Beth Din, je serai toujours passible du Korban, à la différence de la Shvuat Haedout, comme ce qu'on apprendra, Bezrat Hashem, au prochain cours. Vechayavin al zdona makot vel shigigata pturin. Et l'on est passible, si on la transgresse, Bemezid, on est passible, Chiouf makot, d'être frappé. Vel shigigata pturin, par contre, Beshogeg, on sera dispensé de Korban, puisque le Korban ne concerne, le Korban Olev et Yored ne concerne que la Shvuat Bitui, celui qui jure pour vraiment à faux et pas celui qui jure en vain. D'accord, on a déjà expliqué tout ça. Achadzo, c'est ça, c'était expliqué deux Mishnah en arrière, c'était quand on était à la fin de la Mishnah Chet. D'accord, Amushba et Achadzo Vachadzo, qu'il s'agisse. Maintenant, généralité qui va concerner la Shvuat Bitui et la Shvuat Haedout. Celui qui jure à faux ou celui qui jure en vain. L'une comme l'autre. Hamushba mipi acherim chayav. S'il jure, s'il est assermenté par d'autres personnes, il est chayav. Comment c'est possible? Tu viens de me dire que non, c'est que mipi atzmo, par lui-même. Et maintenant tu me dis si quelqu'un d'autre l'assermente, il est chayav. C'est pas tellement compréhensible. Alors la Mishnah nous explique, Keitzad, de quelle manière, regardez le cas particulier, Amar lo achalti ayom, il a dit, je n'ai pas mangé aujourd'hui, velo inachti tfilin ayom, et je n'ai pas mis les tfilin aujourd'hui. D'accord? Dans un sens ou dans un autre. Je jure que, donc là cette fois-ci c'est un cas de Shvuat Bitui par exemple. Ouais, jure-moi que tu n'as pas mis les tfilin aujourd'hui. Et lui, il a dit, donc même, et lui, il a dit non. Non, c'est à l'envers, excusez-moi. Amar lo achalti ayom. Lui, il affirme, je n'ai pas mangé. J'étais déconcentré pour Dieu, excusez-moi. Amar lo achalti ayom, il a dit, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Lo inarti tfilin ayom. Je n'ai pas mis les tfilin aujourd'hui. Donc on a un cas de Shvuat Bitui, un sujet de Bitui, un sujet de Shav. Et l'autre, il a dit, ah ouais, c'est vrai. Mashbiachani, jure-moi. Ve amar, amen. Il a répondu, amen, il sera chayav. Soit, c'est le principe qu'on expliquait dans la fin de la Mishnah précédente, où on apprenait ça dans le Martin Noir, maintenant c'est explicité ici. Il y a deux cas de figure lorsque quelqu'un m'assermente. Soit il me demande de jurer, et donc soit je jure, on dirait franchement, soit je réponds Amen. C'est lui qui affirme tout en précisant le mot joie, mais à la fin je dis Amen. Ou bien je dis j'atteste, Hen, la Gemara rapporte. Même dire oui, même dire Emet, j'atteste,
Dans tous ces cas de figure, on considérera que ce que là je vois, le serment que tu me demandes de faire, je le prononce moi-même avec ces petits mots-clés. D'accord ? Donc dans ce cas-là, je serai passible de Corban. Par contre, si je contredis uniquement ton affirmation, je répète uniquement l'affirmation en fait, tu me demandes, est-ce vrai que tu ne peux pas témoigner pour moi ? Ça sera son apprendant dans la joie des doutes. Ou bien, est-ce vrai que tu n'as pas mangé aujourd'hui ? Je réponds uniquement, j'atteste, je n'ai pas mangé. Ni en disant, c'est vrai, j'accepte, là je vois, je dis rien du tout, je répète uniquement l'affirmation, j'affirme ou je les affirme. Alors, dans ce cas précis, ça s'appelle, je ne serai pas passible du korban, je vois, je pense que ce ne serait pas l'interdit de je vois, étant donné que je n'ai pas juré mipi atmi. C'est clair ? On fait à présent le bartenora. Jvoat, shav, vechule barichokim ou bakrovim. Elle est en vigueur avec les proches parents comme avec les gens éloignés. Nishbal ish chez Uisha. S'il a juré qu'un homme est une femme, ou bien le contraire, ben rachok ben karo, qu'il s'agisse d'un proche parent ou d'une personne éloignée, d'un proche parent. Achadzo bachadzo. Alors maintenant, la fin de la Mishnah nous enseigne. Achad shvuat shav, v'achad shvuat bitouille. Qu'il s'agit d'une shvuat shav en vin ou d'une shvuat bitouille. S'il a été assermenté par quelqu'un d'autre, il transgressera lui-même la joie sur le simple fait de répondre Amen. Mais par contre, s'il contredit uniquement l'affirmation, alors il ne sera pas passible de korban ou de transgression, il n'aura pas transgressé lui-même. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzara comme tout. Salam.